Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette ouverture de calendrier Yu-Gi-Oh! Spécial Kuribo, parce que pour l'instant on a eu que des Kuribo ou des cartes qui sont en rapport avec Kuribo. Alors on est le 11ème jour, du coup on va ouvrir le petit 11, allez viens là. Oh, alors celle-là je la connais, lien Kuribo. Alors ça c'est cool, ça c'est lien Kuribo, c'est pas mal parce que ça se tourne dans pas mal de decks et ça peut sauver plein de situations. Regardez-moi cette petite beauté, j'ai l'impression d'être Cyril Hanouna. Alors lien Kuribo, il a plusieurs effets. Déjà, c'est un monstre lien, il faut un monstre de niveau 1 pour l'utiliser. Enfin, pour l'invoquer. Lorsqu'un de vos adversaires déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte jusqu'à la fin de ce tour, changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1 et invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez utiliser l'effet de bien Kuribo qu'une fois par tour. Ouais, le petit monstre lien qui va dans le deck Kuribo, c'est pas mal ça, c'est bien. En plus, il va dans tous les decks, il est vraiment sympa, il peut sauver plein de situations, je le conseille vraiment. On dirait que le Père Noël, c'est l'explorer Yu-Gi-Oh! Et number one, mon gars, j'ai fait au dernier YCS. Ouais, c'est le manque en lueur, cru que c'est tout ça, mais je les ai. Sur ce, les amis, je vous dis à demain pour une prochaine ouverture, tendresse et chocolat. Bisous!